Peut-être pour Avima, tout le monde connaît elle, qui m'a dit que c'est petite soeur, mais ça va me le courage pour que m'arrive à accomplir un peu de bagarre dans la ville. Parce que auparavant, Donald Guerrier n'a pas de monde qui connaît elle. Elle m'a dit qu'on a passé mes plaqués dans la route d'avant chez moi dans l'entraînement. Battre contre jeune cob, parce que je ne ferais pas de gain, pas en mesure. Et que ça était vraiment dur. Et puis Violette, ça n'a pas Violette, c'était la période 2009. Il était qu'on a bombé 300 dollars ici le mois. Et puis, il était qu'on a bombé 10 dollars par jour. Pour m'a sorti son auto, pour m'a prendre le canapé vert, 10 dollars presque fini. Quand je me grand goût de bagage, je mange ici. Des bouts de maille, il m'a mangé. Et puis, bon, on a commencé à jouer dans la rue avec 1000 mouvements, ouais, deux gros, non bien vague. Et puis, j'ai un grand frère qui habite le canapé vert là, qui est le Pickenson Réseau, qui est le cap de jouer. Et puis, il décide de venir pour ça pour venir mettre dans le club. Et puis l'Allemagne est dans la Russie, tu es grand maître qui les maintenait. Par contre, c'est là toujours. Et puis il dit, oh, mais c'est même papa. Je ne suis pas capable. Et puis il prend les mêmes dans Violette. Et puis il est arrivé Philippe Vaub dit même bagarre là. Il n'est pas quoi capable. Oh, c'est un mec, mais on garde pour moi ça le cabaye. Et puis on mettait dans des camps, qui c'est on mettait dans un petit game. Puis je veux bien, et puis il décide de faire licence pour moi. Là où en 2009. Oui, en 2009, et puis je commence. Commencer le jeu, premier match. Et c'est là où aller s'arrêter. Oui. Obfilé. Oui. Premier match même joué contre l'Aigle Noir. Donc c'est comme ça. Carrière commencé et puis. Jusqu'à ce qu'on atterrisse. Ensuite, en 2013, nous faisons un goal face à l'Espagne, nous jouons un contrat professionnel et puis. Et depuis 2013, vous pas dans le pays, vous pas stable dans le pays encore. Non, depuis 2013. Ok. Donc, so, la vie a. C'est ça même toujours dit, Genio. Quel que soit ça que vous faites, le seul bagage qui est important, c'est gagner l'amour pour savoir faire. Vous comprenez? De vous gagner l'amour pour savoir faire, vous déterminez, vous avez 16, j'étais rentré avec Marc Moy en Haïti. J'étais mal accueilli? Oui, mais pas mal accueilli, non. C'est juste pas de gagner vraiment le monde pour quitter acheter. Parce que on gagne jeans, par exemple, comme pas gagner jeans, même gagner avec mes jeans, bien sûr, en bas. Il y a un gagne justement, on va acheter 120-130 euros. On gagne maillot à 20-60 euros, 80 euros. Et surtout sur le marché haïtien, c'est impossible. Bon, c'est pas impossible. On gagne pas bon. On gagne pas bon grand marché, même si on a gagné en Pologne. Mais on ne peut pas dire que c'est impossible. Parce que. On peut jouer nos. On peut dire que le public a pipiti, le marché a pipiti, pas de pile monde. C'est ça, capable de friter tête yo. C'est ça fait me donner impossible parce que bonjour si que ou bien si que bien sans monde ou bien sans monde ou bien sans monde ou gain un produit que côté c'est 5 monde qui consomme le de ce sang mais justement produit pas seulement là il en Pologne parce que le cas accessible non on a parlé sur marché haïtien là c'est ça fait moins de l'impossible pour mettre exclusivement là. Bon, mais on ne peut pas mettre là tout, étant donné qu'il y a un peu. Donc, je pense qu'à l'avenir. Est-ce qu'on va penser sur ça? Oui, je pense qu'à l'avenir parce que nous n'avons pas, pas seulement Haïti, nous avons pour Miami, nous avons pour Paris et pour Haïti. Donc, ça aussi peut être. Parce que moi, j'ai un conseil de monde qui est en République Dominicaine, des Haïtiens, en Chili, qui a demandé pour me voir en stock pour revendre. Nous avons fait une expérience en 3 fois, nous avons perdu. Donc, m'obligé. Ok, c'est Donald Guerrier. Ils sont footballeurs, mais ils n'ont pas passé. Passer, c'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Même de toujours, mettre un bagage dans la tête, c'est mon cap de bataille qui vivent. Vous êtes déterminé, vous êtes comme vous voulez aller. Voilà. Parce que je me disais qu'on a plaqué dans la machine dans l'entraînement. Et puis les machines ont presque arrivé me voler à terre pour chauffer la parole. Le bagage chauffeur était capable de mettre un coup de clé aux machines, on les tuer. Et il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi ça ouvre une machine comme ça en Haïti, si vous ne vivez pas à Haïti? La machine ça, moi, en Haïti, c'est une leçon liée pour les jeunes, pour les jeunesse là qui suivent moi. Il n'y a pas de Donald qui était désordre ou bien Donald qui était qu'on a joué sans avoir longtemps, mais ça qui est possédé grâce à football. Ou bien si c'est basket ou qu'on joue, on me dit, ah, je voulais même jouer à Donald, je si Jeffrey. Je voulais même jouer à Jeffrey, je voulais même jouer à Tiga, je voulais même jouer à ça. Donc c'est pour ça que je me fais un conseil de bagaille.